Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Plateforme décision déplorée à condamner influence à ingérence ambassade américaine à Nations Unies. Dans la politique et l'économie du pays pendant 35 dernières années. C'est une ingérence qui débouchait sur toute forme de violence et insécurité dans le pays. C'est une ingérence qui finit avec la jeunesse du pays, craser l'éducation du pays. C'est une ingérence qui mettait le secteur paysan à genoux, craser le système agriculture du pays. Pendant qu'ils ont créé toutes conditions pour le petit pays quitter le pays. Et puis, yon l'autre bord, il a déporté tout haïtien qu'il cherchait la vie et la sécurité de la caillou. L'île est temps pour Haïti un dirigeant qui pas marré dans le pied américain. L'île est temps pour gagner un réveil en dans pays contre l'implication de l'ambassade américaine au plus haut niveau de la politique pays. Après 35 années d'ingérence, résultat yon sous yon tout le monde. Ambassade américaine prend politique pays en otage. Faut que toute force vive nation ait un autre modèle de revendication. Plateforme décision constatée, passivité département d'État face à fléau insécurité, kidnapping qui s'y colle sur tout territoire pays. Ça veut dire, crise insécurité qui dans pays pas intéressé yo. Tant pour yo voye espère moun qui pour faire désarmement à contrôler trafic d'armes à cartouches cap fait en de pays ya. Pourtant yo voyez Kenneth Martin pour vin bay Ariel Henry force politique même Jean l'été fait pour ancien président Michel Joseph Martin général dans souci pour dénoncer comportement malhonnête premier ministre de facto Ariel Henry qui chiré et voyez jeter dans poubelle arrêté 5 juillet 2021, qui était nommé à définir mission comme chef gouvernement. Je ne dis pas, la population n'a pas connu ni programme qui fait des routes à Ariel Henry à exécuter en dedans pays. Nous-mêmes, en dedans plateforme décision, nous constatons Ariel Henry présenté comme maître et seigneur en dedans pays depuis environ 5 mois, à la fois président et chef gouvernement. Seule passion, chercher moun créer organisation et puis signer accord imbattable qui sans fondement et qu'elle y écrit à qui on ancien mairesse dans seul objectif pour faire plus de temps sous pouvoir à tout à connexion à complicité ambassade États-Unis. Pourtant, Premier ministre de facto Ariel Henry refusait chita sous vrai problème qu'a ravagé Bill Société. Ariel Henry témoin que les bandits fait ça ouvrir en dedans pays. Lorsque tout le monde constatait pas qu'il n'y a aucune décision ni formelle ni informelle qui prend dans la tête police nationale là pour éradiquer le kidnapping cap simien toute qualité de souffrance dans la famille qui vit en dedans pays. Maintenant ça toujours sous tête tout petit pays, quel que soit dans le secteur qui oui. La police perd du contrôle 70% quartier populaire qui dans la région métropolitaine non, sans aucune présence policière et c'est souvent dans la zone ça bandit stocké moun kidnapper moun. Pourtant premier ministre de facto Ariel Henry senti li confortable dans tête dans l'état. La marché fait toute si organisation bidon vin signer accord malachon pour vin créer plus crise en dedans pays a, malgré incapacité pour sécuriser une population qui non seulement dans grand coup mais qui pas ta sorti pour aller chercher manger côté pour petit tour. Dans la période fin année a en pile moun qui sorti dans département sud, sud-est, Nîmes, Grand-Anse en difficulté pour avoir famille par rapport à l'incapacité de la police pour déloger bandits qui occupaient rentrée route nationale numéro 2. Premier ministre de facto Ariel Henry installé comme chef CSPN non, sans aucune stratégie pour pacifier le pays, faire des armements sur tout le territoire national, a créé un climat politique stable côté tout secteur, tout acteur politique, acte civil, cap senti en confiance pour une pensée à un véritable dialogue, cap gain pour finalité, un véritable accord de développement. Pour nous sortir pays en bas ingérence ambassade États-Unis. Pour nous finir, nous disons, cette fois-ci, deuxième cas de kidnapping qui est maintenant avec Ariel Henry, fait sous pays d'Haïti. Nous-mêmes, en dans la plateforme de décision, nous disons cette fois-ci, Haïti a libéré sans rançon.
Cette fois-ci, bataille pour libérer Haïti sans rançon a commencé 1er janvier 2022. Go naïve. Bonne fête Noël avec l'autre année tout neuf qui a approché à tout employé, à tout peuple haïtien à la ronde badè. Dans ce sens, Benin a profité de s'allier arrivé nouveau DGA, qui c'est M. Jean-Éwol Morose, qui c'est un technicien petite boîte là, qui c'est un rassembleur, Jean nous a toujours appelé on est ça chaque jour, bon Dieu mette. Après go décision ça, gouvernement Ariel Henry apprend, n'a continué à demander bon genre accompagnement bon côté l'État pour boîte là arriver, remonter pente là et prendre escamp figil. Parce que directeur général là vient joindre une compagnie complètement crasée qui donc si gouvernement décide vraiment supporter direction appuie tout employé yo et DHH privé sorti dans tout qui est lié journée jodi a dans sens ça n'a demandé à nouveau directeur général là monsieur Jean-Éwol Morose pour pas prendre temps pour monter un nouveau conseil de direction parce que nous-mêmes dans syndicat c'est bon genre résultat n'attend. On a continué pour demander à nouveau directeur général là pour faire un inventaire pressé sur ensemble bien matériel compagnie a bureau exécutif national là maintenant l'a continué pour demander directeur Morose pour ta faire un passer main dans contrat assurance là qui a tout plusieurs employés et puis pour tout profiter occasion ça pour couper fâché avec 8 résolutions champrel que M. Président mette prend contre intérêt employé. N'a pas fini pour nous dire, il y a une série de monde qui a parlé dans nos festrades. N'a pas dit pour la presse, ni pour l'opinion nationale et internationale, que moun sa yo pas fait partie du bureau exécutif national là. C'est seulement moun qui fait partie du comité qui a habilité pour parler dans nos festrades. Parce que les gens qui ne peuvent pas travailler dans l'EDH ne sont pas capables de servir de parole à parler dans l'organisation. Vive Festred, vive l'autre EDH, vive Bataille Ouvrière. Et tout le monde qui n'a pas entré et sorti en dedans de l'administration n'a pas fait partie. Soudou, c'est exactement où sont syndicalistes. Ou là pour porter ensemble de revendications masse ouvrier yo. Faut ou même personnellement ou c'est yon ouvrier pour capable gagner ça relo rentrer sortir en dedans administration à ce moment-là pour y avoir capoter ensemble de revendications ouvrier yo. Donc si ou c'est ou monde qui a écarté de l'administration, comment faire marcher clé on est à longueur de journée dans toute station de radio sous fallacieuse prétexte que ou fait partie de Benin. N'ap di yo que syndicat li gen norme li ki régil. Syndicat gen yon charte de fonctionnement. Donc si ou moun ou pas en dans institution EDH ou pas ka parler nan non ouvrier. On parle de qui est qui dans situation ça, ka parler nan non organisation nan non fiscal ou yon pas qualité a. Zamim ou c'est journaliste. Juste côté m'a parlé avec ou là, moi fait ça ou lou, moi réserve m de droit pour pas indexer ni X ni Y. Mais cependant, en tant que journaliste, moun qui gen droit pour parler, non, ouvrier yo, c'est moun qui fait partie de EDH, moun qui fait partie de maintenant. Sous son employé qui révoqué ou abandonné ou pas qu'à continuer à parler. Pas dit ces journalistes qui doivent contre qui est-ce qui doit parler à qui est-ce qui va parler. Cependant, nous réservons le droit pour ne pas faire ça relo toucher ni X ni Y du droit. Donc, ou ces journalistes ou qui a toujours mené enquête pour qui est exactement qui fait partie de Benza, qui est-ce qui pas fait partie à. Et si nous disons encore, si ou monde pas fait partie de ensemble administration ou pas capoter parole ouvrier. Qui est-ce qui fait partie de Benza? Mais là. C'est moun sa yo qui est responsable. Ou gagne secrétaire général là qui c'est monsieur Austin Joseph.
ou gagner secrétaire général adjoint qui c'est monsieur Evenson Jean, ou gagner moi-même en tant que secrétaire à l'information et à l'éducation qui c'est maître Gary Jean-Baptiste. Est-ce que maintenant il remplace le syndicat? Parce que nous est clairement que nos syndicats, ils ont chaque qui définit clairement. Et pour que l'autre monde qui prend parole dans nos syndicats, ils doivent sortir dans l'élection pour élu par ensemble des corps et bien sûr. Je dis à n'a pas parole dans nos festrets, mais pour autant, bien société qui connaît tout le monde qui est parti de festrets, ça veut dire nous-mêmes, est-ce que nous avons une bonne division totale capitale? Bon, jusqu'à présent, la question en bas, je suis bien cerné pour moi parce que l'on parle de Ben, c'est le bureau exécutif national. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.